actions ici, du marché paysan solidaire. Je vous invite, une petite délégation d'entre nous, à nous diriger vers le tribunal administratif à qui nous avons posé quelques questions. Quelques citoyens ont mené une enquête citoyenne, ont tenu de ce jugement étonnant. Des intérêts privés qui l'emportent à l'encontre des intérêts publics. On va simplement poser des questions. Sur l'indépendance de la justice, elle nous a rappelé que cette affaire avait des suites en cours. Donc on attend impatiemment de voir si ce qu'elle nous a promis se réalise. C'est-à-dire qu'elle va pousser le dossier devant le Conseil d'État. De façon générale, oui, ce recours, nous avons bon espoir qu'il soit accepté et que nous le gagnions. Bienvenue aux 500 vaches autorisées. Ceci est un engagement de la préfecture qui doit être tenu, comme doit l'être la promesse du ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, d'exiger des sanctions exemplaires. Les 170 000 euros d'amende dus aujourd'hui par Michel Ramry. Les enfants, dis-moi, tant que ça nous va, j'avais bien trop peur qu'on se moque de moi. J'avais peur qu'on me traite de fou, de romantique ou de jaloux. Mais sur mon tracteur ou sous ma douche, j'avais ce refrain-là à la bouche. Trois petites fermes, pas mieux qu'une grande. Trois petites fermes, pas mieux qu'une grande. Et pourquoi qu'on les ferme? Ben je me demande. Trois petites fermes, pas mieux qu'une grande. Et pourquoi qu'on les ferme? Ben je me demande. Trois petites fermes, pas mieux qu'une grande.